toujours au Roques. On quitte notre mouillage de Cayo de Agua. On a encore vent arrière. Donc Philippe se prépare à attacher le génois qu'on va le bloquer d'un côté. Voilà, on vient de partir donc des Roques. On va passer au sud des îles Aves et pour rejoindre Bonaire. Bonaire fait partie des Antilles néerlandaises avec Aruba et Curaçao. La protection de l'environnement marin est très stricte. Il est interdit d'entrer. Nous devons donc nous amarrer sur des bouées obligatoires. Voilà, prise de bouée réussie. Partons vers de nouvelles aventures. Voilà, on vient de mettre un pied à Kalenjik, donc qui est la capitale de Bonaire. Voilà, il fait beau, on va découvrir, on ne connaît pas du tout. C'est très joli pour l'instant. Voilà, on va faire les papiers d'administration, la clairance et l'immigration et la douane. Voilà. Le bateau n'a jamais été aussi près d'un quai. Voilà, on est sur une bouée. Oui, la première série de bouées. C'est pas la meilleure, mais bon, tant pis. Moi, on en a une. Washington. Le parc est tout au nord de l'île.
les deux emblèmes de Bonaire sont les ânes et les flamants roses. Kite Beach. Voilà, nous faisons route vers le sud, vers les grandes salines du sud de Bonaire. Et voici les maisons des esclaves qui récoltaient le sel avec les ânes qui, depuis, ont retrouvé leur liberté. Bonaire, c'est une sorte de parc naturel tout autour de l'île. Tout est préservé, donc le bateau est sur une bouée obligatoire et on est obligé de se déplacer en annexe et de prendre la petite bouée qui est là. Donc c'est des petites bouées, c'est des petites bouées réservées pour les annexes ou les petits bateaux. Et là on est au-dessus d'un site de plongée, donc on va pouvoir prendre la GoPro et aller voir ce qui se passe en dessous. Des plongeurs, une escale qui nous aura vraiment